T'es pas tanné de passer plus de temps à ta job qu'avec moi? C'est un moyen de t'éviter, puis tu le sais. Ma job, là, c'est tout pour moi. Tu vas toujours passer en deuxième. Je me demande bien pourquoi je t'ai épousé, toi. Hey, ton jonc! Ben oui, mon jonc. Ok guys, j'ai décidé que dès maintenant, pour bien profiter de notre soirée, vous allez toutes me donner des cellulaires pour que je les mette dans la boîte. Come on. Eh ben, elle prend vraiment la soirée au sérieux. Il y a pas tes pas, elle a toujours été un peu folle. Ouais, c'est quand même exagéré, là. Bon, ben vu que t'es revenue, je vais faire mon toast. Je porte un toast à l'amour, parce qu'il est plus fort que tout et qui peut même nous pousser à commettre l'irréparable. Santé! Santé! Tu dors à terre. Bon, ben si j'ai pas le choix, hein? Qu'est-ce que tu fais? Rien. Je cherchais les affaires. Et toi? Ah, moi, j'arrive juste pas à dormir. Bonne nuit. Bonne nuit. Oui, allô? Oui, bonjour, Maxime Forcier. C'est l'inspecteur du charme.
J'appelle au sujet de votre femme. On l'a retrouvée ce matin au coin des Miradors. Elle est morte. L'autopsie vient de commencer, mais tout porte à croire qu'elle a été empoisonnée. Étant donné la situation, je vais être obligé de vous interroger. Demain, 14h, ça vous va? En ce moment, je suis chez une amie au 10 rue des Messages. Je pense pas vraiment être en état de conduire jusqu'à la maison. Ce serait peut-être mieux pour moi si on se voyait ici. Parfait. Bonne fin de journée. Puis mes plus sincères condoléances. Merci. Je comprends pas. Je m'attendais pas à ça. C'est pas ce que l'inspecteur m'a dit. Non. Il croit que... qu'elle a été empoisonnée. T'entends? Empoisonnée, tabarnak! Sais-tu ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un a tenté de la tuer, calice! Je sais c'est qui. Je sais, Marie. Je sais c'est qui. C'est Mallory. Mallory? Ben, pense-y. Je l'ai vue hier soir. Elle voulait des médicaments dans la pharmacie, pis y'a juste elle qui aurait pu voir la mort d'Héloïse. Depuis qu'on est jeune qu'elle a un kick sur moi, pis elle en est jalouse, c'est sûr. Elle a jamais supporté notre mariage. C'est la seule femme ici qui m'aime réellement. Ouais. Attends, je le connais, ce moi-là. Qu'est-ce qu'il y a? Maxime, je t'aime. Quoi? Hey, je t'aime. Fais pas comme si tu le savais pas. Je sais que tu m'aimes. Tu m'as toujours aimé. Autrement, tu serais plus jamais pu me voir quand ça commençait à m'aller entre Elodie pis toi. T'as pas été heureux au fond, c'est pas que tu m'as qu'elles sont mortes. On va pas en faire ça pour s'afficher. Franchement, tu sais vraiment jamais quand t'es toi, hein? Je viens d'apprendre un décès de ma femme, et toi t'imagines que je vais me réjouir, partir, puis refaire ma vie avec toi. Elle grandit un peu, là. Laisse-moi dans le temps. Nous deux c'était bien, mais... tu sais bien que ça allait pas durer. Franchement. C'est toi. C'est toi qui l'as empoisonné. Je t'ai vu prendre des médicaments dans la pharmacie. Non, c'est pas ce que tu penses. Regarde. À présent, vous me calmez les nerfs. La semaine passée, j'ai fait une rechute, ok? Encore? Oui. Non, je l'ai pas vu depuis hier. Salut, bien dormi? Moi, toi? Moi, ouais, correct. T'aurais-tu vu Mallory? J'y ai parlé vite hier, mais elle m'a dit qu'elle avait fait une rechute, de ce que j'ai compris, mais. On va peut-être aller voir. Ouais, bonne idée. On prendra pas de risque. Mallory? Oh shit! Où tu vas, Maxime? Maxime! Où tu vas? Maxime! Où tu vas? Je suis plus capable de rester ici. Je te cœuré, là. Je vais reprendre l'air, ok? J'ai le droit. J'ai beau y penser, Marie, puis je comprends toujours pas. Comprends quoi?
parle. Réfléchis un peu, tu vas trouver. Pourquoi tu l'as tué? Pourquoi t'as tué Mallory? De quoi tu chances? Au début, quand je t'ai vu hier soir entrer dans sa chambre, j'ai pas compris. Mais tantôt, quand j'ai vu son oreiller, c'est devenu plus clair. L'étouffer dans son oreiller. C'est pas très original, pis ça laisse des traces. Mais n'empêche que ça me surprend de toi. Tu m'as vu? Ouais, tu peux bien l'avouer. Je sais que c'est toi qui l'as tué. Je t'ai démasqué. Ben oui, Calvin, c'est moi qui l'ai tué. J'avais pas le choix. Ça savait plus, là, toujours un œil sur Maxime. Je les ai vus hier soir, il veut laisser faire ça chez dans ses bras. Ça peut te calmer la conscience, elle allait mourir de toute façon. J'ai mis du cyanure dans son verre hier soir. T'as fait quoi? J'allais la tuer. Je devais la tuer en fait. C'est le téléphone qui me l'a donné, tu vois. J'ai reçu un téléphone par la poste il y a une semaine. Je comprenais pas. J'ai reçu un premier texto. Il m'ordonnait de tuer chacune des quatre personnes qui me tombent, il m'enverrait le nom. Si je le faisais pas, il tuait mon fils. Au début, je voulais pas. Mais plus ça allait, plus il m'envoyait des photos de lui, des photos prises de lui en classe, dans l'autobus, au parc. J'ai eu peur. J'avais pas le choix. J'avais plus quoi faire. Vous auriez fait la même chose. Ok, enfin dans le fond, la première personne sur ta liste, c'était Mallory. Non, c'était Héloïse. T'as tué Héloïse? Exactement. Quand je m'apprêtais à tuer Mallory. Et ensuite toi, puis finalement Maxime. C'est une joke, là. Absolument pas. Cette conversation reste entre nous, si vous voyez, mes amis ils sont à l'intérieur. C'est pas mieux que tout le monde le sache? J'insiste vraiment sur le fait de garder toute cette histoire entre vous et moi, vous voyez. Il semble y avoir personne, monsieur Portier. Non, tout le monde est là. Monsieur Portier, restez-moi, mettez-vous en évidence. Mais j'ai rien fait, c'est pas moi!